leur fait, tenez donc ton bec contre ma. Maître renard, par les airs, a laissé 8 ans à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, quand vous êtes celui que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramasse ressemble à votre plumage, vous êtes le plus beau des autres de ce bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus des oies, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon est bien remarquable. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui reprendrait plus la fontaine. Maintenant la fontaine.